Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Je vais vous apprendre quelques tricks que vous devez absolument savoir pour avoir la classe sur un VTT. C'est parti, on attaque le premier, let's go. Avant d'attaquer, merci à tous, vous avez voté à 70% pour que je fabrique ce maillot là. Donc merci, on va lancer la production, je vous tiendrai au courant des délais, de quand il va sortir tout ça. En tout cas, ça sera ce maillot là, le Galaxy. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez vous. Moi je le trouve bien stylé, vous avez fait le bon choix. Bon, avant d'attaquer les tutos, il faut d'abord savoir monter avec classe sur son vélo. Deux techniques pour monter sur son vélo. La première, hop, juste je mets le pied sur la pédale, je pousse fort, hop, et là je monte. Ouh. Deuxième technique avec un petit peu plus de style, je vais arriver avec de l'élan. Maintenant je vais sauter, ramener le vélo comme ça et je repars. Oh ! Ah putain, je l'ai. Wouh ! Yes ! Maintenant, on est sur le vélo, on va attaquer les vraies techniques pour avoir le style sur son vélo. La première technique, c'est celle-là. On va se mettre à l'envers. On va appeler la technique du clown. On pédale à l'envers, comme ça sur le guidon. Bon, la technique, vous l'avez compris, elle est très simple. Je vais mettre mes fesses sur le guidon. Je monte sur mon guidon. Le départ, c'est plus simple de le faire avec la pédale un petit peu haute. Comme ça, je vais mettre mon poids dessus et ça va me lancer. L'idée, c'est de regarder bien loin, comme ça on garde l'équilibre. J'ai les mains sur le frein. Et là, c'est parti. Et là, fait pareil, on peut tourner. Allez. Option un petit peu plus compliquée. On peut commencer à lâcher une main. Ouhouhou. Ça me fout la gerbe. Ouais, grave. Et le stoppie. Ah, la nouvelle technique, ça va s'appeler le jump run. Je vais pédaler, je vais lâcher mon vélo, il va continuer à rouler. Moi, je vais essayer de courir après et de remonter dessus. En action, ça donne ça. Oh oh. Yeah, à vous d'essayer. Avant de passer à la suivante, je vous lance le défi de faire cette même technique en rajoutant un petit peu de gymnastique. J'ai vu pas mal de vidéos où des gars faisaient salto arrière. Ça me semble un peu compliqué. Moi, je vais vous faire ma plus belle roue et essayer de récupérer le vélo. Si vous y arrivez, vous m'identifiez sur Instagram, je les repartagerai. Ça sera le défi Jump Bike Challenge, ok? Allez, moi j'essaye ma roue. On voit ce que ça donne. Merde. Ça va trop vite, c'est impossible. C'est chaud. Les gars, je veux voir vos stories, hein. Oh, presque. Oh, putain, c'est chaud. En vrai, en plus, l'herbe, elle est trempée. J'ai peur de faire un vieux slide. Viens la bébé. Wouh. C'est chaud, c'est chaud. Plus dur, vas-y. J'essaye une fois le backflip comme j'ai vu dans les vidéos. Je crois que je vais me mettre un vieux plat, mais c'est pas grave. On essaye, je vais me faire mal. Ah, ça glisse trop. Oh ma gueule, un fesse plante j'ai fait. J'ai planté le casque dans l'herbe. Ah, c'est chaud, ça glisse. J'y arriverai pas. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui arrive ce truc? Là, il faut des gymnastes. En vrai, avec un vrai backflip là, j'aurais peut-être pu le rattraper. Si j'ai pas fait un truc nul. Encore un essai. Ah merde. Oh putain, ça glisse trop. Oh putain. Oh. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, c'est pas la bonne. Ça va toi? Merde, y'a plus de persévérance, y'a plus rien. Allez, c'est bon, j'ai rincé le sol. Je suis pas gymnaste, c'est peut-être pour ça en fait, j'y arrive pas. Bon bah je vous l'ai dit, mettez un story Instagram, je vous défie de faire cette figure et d'autres. Vous lancez votre vélo, faites des figures et vous me l'envoyez sur Instagram. Ça mouille l'herbe. C'est un objectif les gars, je vais m'entraîner. Allez, on passe à la technique suivante. Ça s'appelle le sandal skating, vous allez voir, l'herbe est bien mouillée, ça va être le top, je vous montre ça. Là j'arrive avec de l'élan, je saute du vélo pareil, sauf que je reste les mains accrochées. Je vais glisser comme ça le plus longtemps possible. Et je dois remonter sur le vélo. Allez, sandal skating. Ouh. Allez, plus dur. On va essayer maintenant wheeling crank flip. C'est-à-dire, je vais être en wheeling. Le but, c'est de faire un tour de pédale et de réceptionner. C'est le wheeling crank flip. Yes. Quand vous êtes en wheeling, c'est de monter un petit peu plus votre pédale. Comme ça, vous pouvez gratter et faire tourner. C'est ça, en gros, la technique. Hop. Vous êtes là, pédale haute. Vous grattez, hop, vous faites un tour. Et le but, c'est bien sûr de continuer en wheeling après.
Alors la technique suivante, ça va être le nose manual, c'est-à-dire on va freiner le plus longtemps possible. Ici, on a deux options. La première, c'est la planche sur le côté qui devrait être assez simple. Contrôlez votre balancier, votre freinage de l'avant. Et la deuxième option, ça va être de descendre tout sur la roue avant les escaliers, c'est-à-dire un par un, tac, 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 tac. Ok, c'est parti. Oh yeah. Avant de faire les escaliers, on va faire une petite variante. Je vais essayer de faire le même stoppie, seulement je vais lâcher les deux pieds en même temps. Donc je vais avoir les fesses sur la selle et là, hop, je lâche les deux pieds et j'essaie d'aller jusqu'en bas. Oh yeah. Allez, on passe sur les escaliers. Ça va être vraiment compliqué parce qu'il va falloir doser vraiment le freinage. Ça va être un contrôle du frein, du balancier, du corps. Faut pas passer par l'avant, ça va être chaud. C'est parti. Ah. Allez. Bon bah voilà, ça me donne une idée pour la technique suivante, ça va s'appeler le nose touga. On va faire ça sur les pierres juste à côté, vous allez voir. On a trouvé cette petite pierre sympa, l'idée donc c'est de faire un stoppie sur la pierre ici, basculer au maximum le corps vers l'avant. Là je lâche le frein et je dois sauter directement dans la descente. J'ai une petite variante pour vous, ça va s'appeler le touch to jump, c'est-à-dire qu'on va pas freiner, on va faire un petit bunny up, toucher l'avant et sauter dans la descente. Avant de le faire, je vous donne juste un petit tuto pour apprendre sur le plat déjà. Vous prenez de l'élan, vous allez sauter sur la roue avant et hop, sauter derrière, regardez. J'arrive avec un peu d'élan, je saute et je pousse, je saute et je pousse. Maintenant sur la pierre, ça donne ça. Pendant qu'on est sur les stoppies, on va essayer un truc qui est très trialisant. Ça va être de sauter sur la roue avant, c'est-à-dire que vous allez arriver en stoppie. Et de là, il va falloir se servir de la suspension. Si vous n'avez pas de suspension, c'est encore mieux. Essayez de faire le maximum de bons sur la roue avant. Essayez ça chez vous, marquez dans les commentaires combien vous avez réussi à en faire. Ok. On va se faire le même stoppie et on va apprendre à reculer et à repartir dans le sens. Alors, j'arrive avec mon stoppie. De là, il va falloir accompagner les pédales. Regardez bien loin et là, vous allez tourner le guidon. Une manière très stylée de repartir dans l'autre sens. J'arrive sur mon stoppie, j'accompagne les pédales, je tourne le guidon, hop, et je repars. Bon, j'espère que ces petits tutos vous plaisent les gars. Si c'est le cas, vous me le marquez dans les commentaires et vous lâchez le gros pouce bleu. Sachez qu'il y a des stages qui sont organisés par mon équipe, le Bomber Show. Je serai là avec des gars de mon équipe pour vous encadrer les bases du VTT trial, du VTT d'une manière générale. On enchaîne maintenant avec deux nouveaux tutos, comment descendre avec classe de son VTT. Et la première technique s'appelle le saut de mouton. Si vous voulez terminer avec classe, on va tenter le front flip par-dessus le guidon. La meilleure technique, c'est maintenant, c'est parti. Oh, allez, à lundi prochain. Ciao les gars. Ça m'a tassé un peu quand même. Ça fait mal. Ok les gars, maintenant c'est à vous de vous abonner, à lâcher le gros pouce bleu. Et ma nouvelle boutique en ligne est disponible, c'est sur aurelienfontenoy.fr. À la semaine prochaine. Ciao.